Tu es mon soleil, éclaire mes jours, mes nuits. Tu es mon soleil, tu es l'âme de ma vie. C'est Princess Lover sur cette TV. Merci. C'était la cérémonie à ne pas manquer. Le 24 février se tenait la 5e édition des Hit Local Awards au Carré Bellefeuille. Le seul et unique événement qui met à l'honneur les artistes caribéens. Tout d'abord, félicitations Morgane. Merci beaucoup, merci. Alors, c'était quoi ton rôle ce soir pour la soirée? Alors, j'étais tout simplement invitée d'honneur et chargée de remettre aussi un prix à des artistes, notamment Admiralty. J'étais très honorée. J'étais contente d'être invitée puisque je trouve que c'est une belle initiative de récompenser nos artistes et de leur donner envie d'aller encore plus loin. En quoi c'est important pour toi de participer au Hit Local Awards, bien sûr? Parce que je suis local, parce que je suis guadeloupéen. Et parce que je trouve que l'union fait la force, voilà. Bah, ce soir, je suis présent parce que c'est un événement qui réunit vraiment toute la Caraïbe. Et donc, je suis obligé d'être là et je suis venu soutenir mon frérot, Johan. Parmi les gagnants des Hit Local Awards, on retrouve entre autres Bill Hicks, La Tchad, Pond de Mike ou encore Johan et Milka. Lissina Isjin repart avec le prix Zouk féminin. Le jeune réunionnais Michael rafle quant à lui le prix Zouk masculin. A noter que Kalash et Admiralty repartent tous les deux avec 3 trophées. Vous avez été vraiment comblés de bonheur, comblés de récompenses. C'est quoi votre ressenti? J'ai plus de place, j'ai pas assez de mains en fait pour tenir les récompenses. Ah non, je suis vraiment fier, parce que déjà bon, c'est une cérémonie créée par des jeunes. Et qui se donnent les moyens, qui en ont envie, qui sont positifs, qui sont actifs, comme je dis. Donc c'est vrai que pour nous, être là, c'est important. Parce que sans les artistes, sans le public, il n'y a pas de cérémonie, quoi. Ça vous fait quoi de voir votre mari et artiste autant récompensé ce soir? J'avoue que j'étais émue. Hein. Son discours à la fin m'a tiré quelques larmes. C'est un honneur. Un plaisir. N'est-ce pas? On a bien travaillé. Tout à fait. On a fait les soins ensemble, on a écrit ensemble, on a fait les mélodies ensemble. En vérité, il ment. J'avais déjà tout fait. Non, je fais ça. Non, c'est un honneur, franchement. Il m'a appelé, il m'a dit de venir chanter avec lui et c'était un plaisir, donc j'ai pas pu refuser. Et puis ça donne une très belle chanson. C'est grâce à moi. C'est un mot impossible. Ouais, c'est vrai que c'est grâce à moi un peu. Et puis n'oublions pas Joey de Bouette-Filet aussi qui a collaboré avec nous. Parce que maintenant, comme c'est une star, alors voilà quoi. Il nous calcule pas trop, mais bon. Voilà. On verra ça après. Bon, je suis très émue, comme je disais, de pouvoir matérialiser le retour du public. C'est vraiment super d'avoir une cérémonie comme ça qui récompense les artistes, qui les met à l'honneur. Parce qu'on voit tout le temps les Grammy Awards, les grandes cérémonies. Et nous, on se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'était très bien d'avoir cette cérémonie. C'était une très belle cérémonie. L'année dernière, j'ai été nominée, je n'avais pas gagné. Et là, cette année, voilà, c'est ma 3e nomination et voilà, j'ai gagné. Quel est le message à passer à la Guadeloupe, du coup, dont vous êtes originaire? De continuer le travail, hein, de continuer le travail, ça paye. Nous, depuis 2007, on est issus d'un groupe. Et depuis 2007, on travaille. Et c'est maintenant, si on peut dire ça, qu'on récolte les fruits du travail, tu vois. Il faut toujours continuer de charbonner, il ne faut rien lâcher, on n'a jamais rien lâché, Gino et moi, le MG, Pandemic, les Rex, on ne lâche pas et on continue le taf. Toute la Guadeloupe, on est là, boum, 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 boum. Rebecca, vous êtes magnifique ce soir, hein, radieuse. En plus, j'ai le même tissu qu'Admiralty en fait. Il porte bonheur ce tissu-là. Hein. Voilà, exactement. Vos artistes sont quasiment tout raflés, ça fait quoi? Vous ressentez quoi ce soir? Que de la fierté en fait. Hein. Moi, j'ai pas versé la petite larme parce que voilà, mais c'était bien enfoui à l'intérieur. Mais non, mais c'est beaucoup de fierté parce que c'est vrai que c'est des artistes avec lesquels on évolue. Parce que même moi, dans ma carrière, en fait, j'évolue aussi à leur côté. C'est des amis en plus, au-delà d'être des personnes avec qui je travaille. Et on est là, on est fiers, on est heureux. Et puis, comme le dit tout le temps Admiralty, en fait, on n'est pas heureux pour eux ou pour nous. On est heureux pour. Là, on était ensemble, quoi. Donc, c'est une synergie. On est heureux pour tout le monde, pour cette espèce d'osmose, pour les jeunes artistes antillais et caribéens, et voir comme ça qu'on évolue, qu'on arrive à faire des choses ensemble. Et je sais,
vraiment, c'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Et puis vraiment très fier pour Admiral, hein, parce que même pour le prix d'honneur, on n'était pas forcément, on savait, on se dit Admiral va quand même avoir un prix sur les trois, sur les deux sur lesquels il était primé. J'étais vraiment très très contente et d'autant plus satisfaite aussi de la récompense du trophée d'honneur Admiralty, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je pense que si je devais lui décerner un prix, ce serait vraiment le trophée d'honneur. Il le mérite. Je voudrais aussi lui dire de continuer le travail qu'il fait et de continuer de faire les choses avec le grand cœur qu'il a. Animé par DJ Lord Up, Magparo et Staly, l'ambiance était véritablement au rendez-vous. Mais qu'en a pensé le public venu très nombreux à cette 5e édition? Vous avez pensé quoi de l'événement de ce soir? C'était super. Franchement, moi j'ai adoré, je me suis éclatée. Et puis notre idole Kalash, elle a été récompensée 3 fois, donc c'est parfait. Non mais c'était vraiment super, super beau, très émouvant. Franchement, à refaire et à continuer. Cet événement est d'autant plus intéressant que ça met en valeur justement nos richesses, les richesses des îles, les richesses des Dom-Tom, des Caraïbes, et surtout montrer que dans la différence, on peut s'assembler. Et ce soir, c'est dit, qui se ressemble s'assemble. On vient du même tronc, on est les racines, les îles, on est des racines de ce tronc qui vient d'Afrique, et on ne doit pas l'ignorer. Est-ce que tes favoris ont gagné ce soir? Oui, effectivement, mes favoris ont gagné. On espère toujours en voir d'autres encore et encore. Malheureusement, il y a un choix à faire qui est super compliqué, super difficile pour nous les fans ou nous qui votons. Il y a eu un choix, on doit l'accepter, mais super beau tableau ce soir. Alors, t'as pensé quoi de l'événement de ce soir? Moi, je pense que c'est un bon événement de récompenser nos artistes, de mettre en avant la Caraïbe, de mettre en avant les Dom-Tom et d'offrir un beau spectacle à nos artistes, un peu à l'américaine, pour les récompenser du travail qu'ils font sur toute l'année. C'est déjà très bien. Alors, après le succès de la 4e édition et maintenant de la 5e édition de Hit Local Awards, quel effet ça te fait? Moi, ça me rend joyeuse parce qu'effectivement, lorsqu'on a commencé l'aventure, on n'était que 3 au début dans l'association. De voir qu'on arrive à une 5e édition et que le public et les artistes nous suivent, ça peut que nous rendre heureux. Cette TV vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition des Hit Local Awards. Music Awards. Désolé, mais on doit y aller là. Je repars avec ma femme, s'il vous plaît.